Chef, chef, ça recommence! Quoi encore? C'est pas vrai! J'ai vérifié, on n'a pas été piraté. Bon, je vais faire venir quelqu'un pour régler ça. Qui c'est qu'on appelle? Ouais. Ouais, ça serait quand même plus cool si on se baladait avec une DeLorean. Tu peux m'aider? Allez, c'est parti! Hop. À la chasse. Qui c'est qui a vu le code mort ici? Oh merci d'intervenir si rapidement. Nos collaborateurs commencent à poser des questions, je ne sais plus quoi répondre. Les anciens en savent beaucoup sur l'historique guide, mais jamais ça n'avait pris de telles proportions. Et vous en avez parlé aux clients? Aux clients, vous rêvez, mais non! Le travail code rapport est réputé pour sa qualité et son sérieux. Nous sommes leaders du domaine et ne voulons pas que cet incident s'ébruite. Je vous demande d'intervenir avec la plus grande discrétion et de régler ce problème rapidement. Nous avons une livraison à terminer pour la semaine dernière. Donc, comptez sur nous, ne vous inquiétez pas. Nous sommes des vrais professionnels, nous allons vous régler ça en un clin d'œil. Je détecte une forte activité parallèle. Et regarde ça. Bien. Ah super, du code mort. Embarque-moi ça pour le labo. Intéressant, très intéressant. On fait quoi là? Ça va être l'occasion de tester les linters à positon. Prépare le conteneur de capture. Prêt. Feu. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Problème réglé, monsieur. Ravi d'avoir travaillé avec vous. Mais vous êtes des malades, je vais vous faire enfermer. Spider, on vous le laisse en partant, du coup. Mais débarrassez-moi de cette chose! Ok, bah on vous enverra la facture. Et hop! Et voilà, un de plus! Faut serrer là-dedans? Ouais, c'est bon pour le business, mais c'est un peu bizarre quand même cette activité paranormale dans ce secteur. T'as pris mon échantillon? Ah ouais, tiens, voilà tes crottes de nez. Amuse-toi bien. Ouais, respecte un petit peu mon travail quand même, je fais avancer la science. C'est bizarre. Vraiment bizarre. Viens voir ça. Viens voir ça. T'as trouvé un truc? Regarde ça. C'était pas juste du code mort, c'est une forte concentration de code immonde. Et ça peut venir de quoi? À mon avis, cet open space a été construit sur un ancien cimetière indien. Tu te crois dans Shining? Non, je veux dire, ils ont amassé une énorme quantité de vieux projets offshore développés en Inde. Ce n'est plus du code mort, c'est la porte de l'enfer. Ah oui, quand même. Il faut qu'on y retourne. Encore vous? Mais on vous a pas appelé! Rassurez-vous, tout va bien. On fait juste un petit contrôle qualité. Hein? Mais enfin... Mais ouvrez-nous cette porte. Ça, c'est l'accès à l'ancien bâtiment. Enfin, vous savez, on est en plein centre historique de Rennes, donc... Enfin, je vous permets pas! Mais enfin! Hein? Laissez faire les bras, monsieur. Louis! Accompagnez ces messieurs! Hein? Quoi? Hein? Allez. Ah oui, c'est bien bâtiment historique, dites donc. Oui, ça surprend un peu, mais l'été, c'est très sympa. Vraiment, on n'a pas trop chaud. C'est pire que ce que je pensais. Je détecte une concentration hors norme de code non testé. Quelle catégorie? Mon analyse sonar remonte à grade F. Oups. Tiens, tiens-moi ça. Es-tu le maître des clés GPG? Vous voyez, c'est exactement ça qui s'est passé la dernière fois. On fait quoi?
On n'a qu'à dire oui, on verra bien. Oui, je suis le maître des clés GPG. Je suis le serveur de la porte. Choisis ton destructeur. Sans blague. D'après ma recherche Google, il aurait mieux fallu dire non. Il va lire dans notre esprit et choisir notre pire cauchemar. Mais vous aviez prévu tout ça, non? Oui, bien sûr. Faites le vide dans votre esprit. Ne pensez à rien, comme pour coder en Java. Vous avez choisi. Hein? Mais j'ai pensé à rien, moi. Moi non plus. Moi, j'ai pensé à un truc mignon, inoffensif. Mais t'as pensé à quoi? T'as pensé à quoi? Une peluche que j'ai sur mon bureau, une gentille peluche. Il est en train de vandoriser toute la ville! Pousse le Hunter au max. Toi, pointe l'antenne sur ce monstre, il va falloir croiser les flux. Mais tu m'avais dit qu'il ne fallait jamais faire ça! Oui, oui, je sais. Ça risque de dépolariser le champ de X, de découpler la charge des quarks et de détruire la moitié de l'univers. Mais on n'a pas le choix, c'est un cas de force majeure. On va leur montrer ce qu'on sait faire, nous les Bretons! Merde, le couvent des Jacobins! Mais bon sang, mais qu'est-ce que vous avez fait? On a sauvé mon boss! Mais j'avais tout un business plan basé sur le code pourri, moi! T'es viré! Alors vous, attendez qu'on ait raconté tout ça à la souffrance, vous allez voir. Comment ça? Non mais attendez, pas de mauvaise publicité! T'inquiète pas, je crois qu'on a trouvé un beau job.